studio Pétionville. Nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Journal Créole PIA, Journal Méga Matin, c'est Kounia sur antenne Radio Méga, jeudi à ces jeudi 13 janvier 2022. Auditeurs, auditrices qui connectent nous tout partout à Otessa, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bonjour Marcel Joseph qui a fait mon technique pour nous en Haïti. Sans ne pas oublier Jean-Philippe Marcel qui écrit et qui coordonne le journal Silla. Bonjour Jean-Willer à Sever. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Rapidement, quelques principales informations que nous avons développées dans le journal là pour matin. Le gouvernement commémoré 12 l'année Goudou Goudou à Yemeredian. Premier ministre Ariel Henry déposé au bouquet flèche sous mémorial Saint-Christophe. Tout de suite après, dans une cérémonie pour l'occasion, Ariel Henry lui-même salue mémoire victime 12 janvier 2010. 12 l'année regrette, 12 l'année cicatrice toujours là. Chef gouvernement rappelé vulnérabilité paysan, demande population à apprendre vivre à catastrophe naturelle. Le réseau national Cap Défendre doit nous féliciter l'autorité dominicaine qui prend contrôle dossier assassinat Jovenel Moïse là. Mario Palacios avec Rudolf Diar par l'état coupé pète maïs en Haïti. Interview en fait, Diar été fait 11 décembre passé. D'après Pierre Espérance, qui fait qu'on est, la police a bien proposé la patte sous Joseph Félix Badjo avant longtemps malgré protection à Ariel Henry. Malgré le démenti Léon Charles, yo, directeur exécutif RNDDH n'a persuadé Léon Charles Tepalak Badio dans téléphone joue assassinat à deux haïtiens américains qui est impliqué dans le crime. Devant ses droits maintenant révélé en CDG, lui-même a été empêché la police arrêter John Joel Joseph dans la caille dans une caille classine mois juillet passé. Révélation New York Times l'a prouvé l'autre fois encore. Jovenel Moïse Pape Jam joint justice à gouvernement Ariel Henry. Déclaration coordonnateur Front National Organisation avec résistance pour un Haïti stable. Rosemont Jean qui longe doit lire sous corps groupe là, les quoi qui complice dans Zaxila. Heureusement Jean Piscoy, c'est la prière mystique qui au cap bas Jovenel Moïse Justice. Réseau Playant Petro Caribé a annoncé qu'il a poussé de mettre André Michel dans le dossier ça. Coordonnateur adjoint réseau qui c'est Eddie Africa d'Orséville qui a annoncé ça à Yamérédi a reproché avocat à Kouetosliak Ariel Henry. Il y a une décision Johnson Cole qui pas engagé. Maître Marc-Antoine Maisonneuve exigé des pariels à écrire dans la tête l'état mission pour bloquer dossier Petro Caribéa à cause d'acquaintance chef gouvernement Michel Martelly, il n'y a pas de chance pour procès Petro Caribéa atterri. Avocat continue à exiger tout à mon site retirer col dans dossier SILA. Front National Organisation qui a résistance à point Haïti stable qui gagne la tête les Rosemont a exprimé tête chargée au gain devant dégradation situation sécurité à l'empayant. Responsable esquitissa Rosemont a critique autorité politique qui va faire rien pour résoudre le problème. Non. Comme solution militaire politique n'a proposé au gouvernement transition à cas ancien militaire pour venir mater question insécurité en deux pays. J'ai été annoncé le ministère de santé publique recevoir environ 39 000 doses vaccin Covid Pfizer. C'est pays États-Unis qui fait don ça d'après autorité américaine qui dit au fier pour continuer de travailler pour protéger famille à communauté haïtienne pendant la pandémie Covid-19 là. Maté en a différentes groupes nous avons pour côté commentable avec madame Chrisnette Saint-Georges. Avec différents collaborateurs nous parlons qui j'ai diverses zones dans la région métropolitaine à lever pour matin dans cadre rubrique traverse. Nous allons faire même exercice avec différents correspondants de New York dans cadre rubrique One Convention. Et puis sorti 7h pour l'université de espace invité journal. Voilà messieurs dames, c'est point ça avec diverses notes qui pral développer le quatrième sorti journal Méga Matin pour ce maintenant. Restez branché par tout monter bouton radio. Dans protonner dans quelques secondes. Et voilà, merci en pile avec vous-même qui toujours été connecté pour capable écouter quatrième sortie journal Méga Matin pour ce maintenant. Rappelez jeudi à ce jeudi, non la journée jeudi 13 janvier 2022. J'ai été annoncé le titre Premier ministre Ariel Henry qui était accompagné avec divers membres du gouvernement. Avec l'autre personnalité déposée mercredi 12 janvier 2021. Joseph Flay dans Mémorial Saint-Christophe, commune Croix-des-Bouquets, dans mémoire victime
tremblement de terre 2010. Tout de suite après, autorité a organisé une cérémonie écuménique en occasion dans le discours circonstance. Non, chef gouvernement s'allie mémoire victime en 12 janvier 2010. 12 années après, blessé toujours là, même Jacques, en pile haïtien, pays a tout besoin, si pour tout haïtien pour sortir pays en crise d'après Ariel Henry, qui rappelait vulnérabilité payant, peuple haïtien doué apprendre vivre à catastrophe naturelle. En côté déclaration, Ariel Henry dans le micro Jean-Philippe Marseillan. 12 janvier 2010, une date de notre histoire de peuple doit rester gravée dans la mémoire de chacun de nous et dans celle des générations futures. En quelques secondes, l'espace d'un ciment, des centaines de milliers de vies sont fauchées. Un nombre incalculable de blessés, plusieurs milliards de dollars de dégâts matériels, 1,5 million de sans-abri, sans oublier les milliers de nos compatriotes, aujourd'hui handicapés, portent dans leur chair les stigmates de ce séisme. 12 années plus tard, le deuil reste difficile à faire et les traces de destruction sont encore visibles. Aujourd'hui encore, le centre-ville de Port-au-Prince, pour ne citer que cela, ressemble à un champ de ruines. 12 années plus tard, beaucoup d'entre nous ont encore besoin de soutien pour adresser et soigner les séquelles de ces blessures. Il en est de même pour la nation haïtienne qui a besoin de ses filles et de ses fils pour penser les traumatismes laissés par ce drame, tirer les leçons et surtout apprendre à prévenir. Si 12 ans plus tard, on a fini d'enterrer nos morts et soigner nos blessés les plus graves, beaucoup de blessures invisibles sont encore ouvertes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce souffle de solidarité spontanée pour continuer de soigner ces plaies, pour en tirer collectivement les leçons, mais aussi pour surmonter nos différends actuels, cause de grande fragilité et de vulnérabilité. Le 14 août de l'année dernière, un autre séisme dévastateur a frappé la presqu'île du Sud et les secousses enregistrées dans le Sud ces jours derniers sont venues nous rappeler que notre pays est traversé par de nombreuses failles qui les rendent vulnérables. Nous devons apprendre à vivre avec les catastrophes naturelles. Hélas, ne se limite pas au tremblement de terre, car nous sommes situés sur la trajectoire des cyclones. Nous sommes aussi menacés par l'impact des inondations, par les impacts du réchauffement climatique. Nous ne savons ni le jour ni l'heure séparés pour nous parler. Le 12 janvier doit être une journée de réflexion où nous devons prendre le temps de réfléchir à la fragilité et à la brièveté de la vie. Réflexion aussi sur la nécessité de bien utiliser les jours qui nous sont donnés, construire un environnement et une société où il fait bon vivre. Nous avons toujours été à Capoue ministre Ariel Henry, sans la paix, pas qu'à l'élection, l'État pas qu'à bailler peuple à service, déclaration pour le ministre Ariel Henry qui félicite les citoyens qui n'ont tête collé avec responsable concerné pour l'ouvrir l'ICA dans la saline. Mais avant de nous permettre au côté intervention pour le ministre Ariel Henry, nous prenons les cara deux zone pasteur prophète Marco. Oui, pasteur Marco, prophète Salim, on a mélangé. Oui, l'APCAN qui a un gros défi qui a éclaté dans la localité dans la zone cara deux. Nous gagnons un collaborateur, nous Jean-Marc Sony d'Espagne qui est déjà sous place. Jean-Marc Sony, comment ça y est? Rebonjour à vous-même. Jean-Marc Sony? On a fait contact avec Jean-Marc Sony. Nous apprenons que c'est un gros défi qui a éclaté. Zone cara deux et zone prophète ou pasteur Marco. Et c'est là, Jean-Marc Sony d'Espagne qui est sous place, qui a bousqué pour chercher information pour nous. Et je pense que pendant Jean-Marc Sony a cherché information, si pour qu'on ait un pompier qui est sous place. Oui, pour que le pompier est arrivé là. Oui, ok. Eh bien, on a pris ces informations. Origine dit fait ça, qui dégâts. Est-ce que pas un dégât matériel ou bien est-ce que pas un monde qui est victime tout? Nous parlons de ça, Jean-Marc Sony d'Espagne, puisque nous connaissons Radio c'est ça, des informations. Côté c'est là nous et nous-mêmes nous tout côté gain information nous a fait contact avec Jean Maxoni Dispay avant nous capable retourner à Capoue ministériel Henri
qui t'es profité parler de questions élections dans le cadre d'activités qui étaient organisées pour capable marquer date 12 janvier 2022 qui fait exactement 12 l'année hier depuis un pile monde t'es perdu la vie un pile dégâts matériels t'es enregistré jusqu'à maintenant il y a un pile monde qui a vécu avec séquel événement ça nous a poursuivi avec dossier le temps pour nous capable faire contact avec Jean-Maxoni Despaille. J'ai noté que tu as dit ça et nous rejoignons Maxoni en aller. Maxoni, oui, bonjour. Où sous place, permettre à l'auditoire de gagner des informations sur ça qui vient à deux. Effectivement, Jean-William Césaire a gagné un petit peu qui éclaté dans Méga 4 là, dans la zone l'église Passé Macoua. Il est nous dit que la prochaine là, il y a un pile et tout qui voulait pour nous dire un pile à vous qui voulait dans l'espace Abgadé là, mais nous ne connaissons pas. Et qui quantité qui voulait effectivement, puisque nous jouons des tolls seulement qui étaient tout à l'heure voulait, et tout ça on a déposé, ils ont perdu dans l'espace là. Et nous avons occasion, ils ont victime là, qui a dit non. Mais selon l'information que nous recevons, c'est à 3 heures, ils ont remarqué du fait. Mais est-ce que nous avons une information qui dit depuis qu'il est effectivement ça a commencé, nous avons connu une information à bosser. Bonjour madame. Maxoni, et bien si... Jean-Maxoni Despaille, 42, et si on a un provisoire, sûrement t'es guette, c'est ça qui fait. Ça sont très difficile, nous, qu'à comprendre ça. Communication très 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 difficile. N'est pas bon, communication pas bon. Et on aurait fait contact, c'est une carade, zone l'église. Prophète ou bien pasteur Makoa et c'est là qu'ils ont fait prendre un abri provisoire capable de comprendre d'après Jean-Maxoni Despaille c'est bon 3 heures d'après monde qui dans l'espace là nous avons essayé de bousquer plus d'informations et si il y a présence pompier là c'est celui-ci qui est capable de bailler quelques informations il y a présence policière qui là et nous avons cherché qu'on est bon c'est tout nous connaissons depuis c'est tout. C'est produit inflammable que vous voyez. Depuis qu'il y a une qui pense plusieurs qui apprennent pas qu'on est comment ça y est. Est-ce que il y a des gens qui sont victimes? Si il y a des dégâts matériels, comment ça y est? Est-ce que il y a des gens qui sont victimes? Jean-Maxoni Despaille, Graville Blaise, est-ce que capable de briver ou capable de briver, faire un coup rivé pour nous, pour capable porter mes fautes avec Jean-Maxoni Despaille pendant sinon de la sous place, ça pas comme mieux pour nous capable de jouer plus d'informations. Graville Blaise, est-ce que capable de coup rivé pour nous? Et ces zones, et une carade zone pasteur et Marco, c'est là qui a éclaté. Dans un abri provisoire, comment ça y est, nous avons fait contact avec Jean-Maxoni Despaille. Jean-Maxoni, pensons pour capable t'aider nous et pour capable et permettre nous gagner tout élément d'information. Jean-Maxoni, où dit dans un abri provisoire qui est dans la zone pasteur Makoa et est-ce que abri provisoire soit abri provisoire ça par rapport avec l'espace là, tu as gagné un pile monade, par contre. Et ça, là, j'ai un peu de l'eau, qui est un peu à brûler avec un poignet qui est à l'immunité. Nous, par contre, si ça était à brûler, qui est dans l'espace là, mais surtout qui a éclaté, il y a effectivement 8 des tailles qui brûlent, il y a 8 familles qui sont dans la rue communiste qui n'ont pas allé là. Rappelez pour toi là, non, Jean-Maxoni, zone côté ça passé. C'est dans Méga 4, si on met dans Villa Métale, zone Méga 4, Villa Métale. Si on met dans les conditions, si on met l'église Marc Passé, on va entrer à une réelle qui peut côté à la facilité ou entrer dans... Comment on dit, Villa Métale, Villa Métale.
Ok, je m'assure Oui, la police qui est en présence, sapeur-pompier qui est là pour capable maîtriser du fait, et je m'actionne. Oui, grâce avec qui c'est pas qui est présent, ça peut arriver de gagner plus de mal qui fait. Ok, d'accord. Merci. Jean-Marc Sonny Despaillé depuis Carade Zone, Pasteur Marco. Et c'est là, ils ont fait éclater dans un abri provisoire. Il y a un sapeur-pompier qui est sous place et présence à la police. Non, pour ce pas qu'une information.